une espèce de créativité ou une ingéniosité qui est décuplée, on va dire. Oui, oui. Mais moi, parfois, il y a des gens qui disent, mais c'est beau ce que tu crées, et pour moi, c'est naturel, et je ne me force pas du tout. J'avais jamais vu ça. Non, bah, c'est une petite chose que j'ai faite moi-même. Donc, je customise mes vêtements. La cravate aussi. La cravate aussi. Donc, c'est des bijoux de cravate, en fait. C'est ça, des bijoux de cravate. Et d'où vous est venu ce mantra, cette envie? Ah, cette envie, elle m'est venue de, bah, tout simplement de mon parcours. C'est j'ai évidemment, en étant petit, j'ai souffert du regard des autres, dû à ma différence, et j'en ai fait une force. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est très bénéfique, parce que ma grand-mère me disait un jour, de ne pas montrer ce que tu fais, ce serait gâcher quelque chose.